Bonjour à tous, c'est Monsieur Montana. Bon bah dans cette vidéo je vais vous montrer comment je fais les braquages en moins de 30 minutes. Donc voilà, vous allez simplement à l'écran de planification, là vous allez sélectionner certains paramètres qui vont vous permettre d'avoir des préparations plus simples que d'autres. D'ailleurs n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour suivre la suite des vidéos et celles qui viendront après. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire pour aider la communauté ou améliorer la technique. N'hésitez pas non plus à rejoindre la communauté PlayStation. Donc voilà, c'est pratique si vous voulez trouver des gens pour faire le braquage avec vous. N'hésitez pas non plus à rejoindre le clan Monsieur Montana. Un clan ouvert à tous qui vous permettra de trouver d'autres joueurs soit pour faire les braquages, soit aussi pourquoi pas me suivre quand je fais des lives. Quand je fais des lives, j'invite toujours le clan. Donc bah si vous voulez jouer avec moi, bah vous inscrivez à... enfin vous rejoignez le clan. Et quand je fais un live, bah, j'invite le clan. Donc vous serez invité vous aussi à participer à des activités. Voilà. Donc ensuite, pour la suite de la vidéo, voilà, j'ai choisi longue fin ou longue fine plutôt que le sous-marin. Tout simplement parce que c'est une mission qui est plus rapide que le sous-marin. On est juste à côté et elle est facile à faire. Alors que le sous-marin est plus long à faire. Et toutes les autres missions, je les trouve plus longues que celle-ci. Voilà pourquoi je choisis cette mission-là. Qui, à mon sens, me fait gagner pas mal de temps. Donc voilà, après en fin de vidéo hors chrono, je vous donne comment je fais pour annuler une mission quand elle est en cours. Voilà, donc bah, c'est surtout pour la dernière mission, celle de Meriwether, en gros l'arsenal. Avec l'arsenal, vous avez souvent comme mission Meriwether. Et Meriwether, avec l'hélicoptère et l'Avenger, me fait perdre trop de temps. Donc à la fin de la vidéo, je vous montre en plus du timing comment je fais pour annuler cette mission. Pour ne pas faire cette mission-là, mais en faire une autre qui est beaucoup plus proche et beaucoup plus rapide. Donc voilà, à partir de là, je vais commander le Mary, commander le Mary Weather. Non, je vais commander le Phantom Edge. Pour une bonne et simple raison, c'est que le Phantom Edge, il spawn juste à côté. Parce que je pourrais commander le centre d'opération mobile, mais le centre d'opération mobile spawn pas toujours à côté. Alors que lui, il spawn juste à côté. Et en plus, il a un bouclier, ce qui est très pratique. Alors que le centre d'opération mobile ne spawn pas à côté et n'a pas de bouclier. Après, je pourrais prendre un camion de PNJ, mais je gagnerais pas forcément beaucoup de temps et je prendrais un camion qui a pas de bouclier. Je pourrais prendre des camions que Rockstar met à notre disposition, mais c'est pareil. Ils sont plus loin et ils ont pas de bouclier. Donc pour moi, je pense que le Phantom Edge est le meilleur choix. Il spawn juste à côté et il a un bouclier. On peut difficilement faire plus rapide. Après, je peux me tromper, à vous de me dire dans les commentaires, mais a priori, pour moi, le Phantom Edge, c'est le meilleur choix. Il y a un bouclier, il spawn juste à côté, on perd pas de temps, c'est rapide, et en plus de ça, on a un camion qui est entre guillemets renforcé. Voilà. Donc bah après, je vais vous laisser regarder la vidéo. Quoi qu'il en soit, merci à vous, bon game et bon braquage. En tout cas, bonne préparation. Allez, salut à tous, c'est mon game.
Donc nous voilà. Là en l'occurrence, on me voit rejoindre le QG de Meriwether. C'est trop long comme mission. On doit suivre l'hélicoptère, remonter dans l'Avenger. Donc je vais vous montrer comment je fais moi pour annuler tout simplement cette mission et faire une autre mission à la place de celle-là. Donc vous allez simplement à là où je suis. Sauf que bon, bah moi j'ai un petit temps parce que j'ai eu deux fois de suite la mission QG de Meriwether. Donc du coup, il y a un petit temps entre deux missiles. Donc le premier missile, je l'ai envoyé tout de suite, mais vu que j'avais la mission, j'ai revoulu relancer un missile. Et donc dans ce cas-là, on a un petit temps d'attente entre deux missiles. Donc voilà, j'ai attendu les quelques secondes avant de pouvoir relancer un missile. Voilà, une fois que vous lancez le missile, bon bah voilà, le missile se conduit assez facilement. En l'occurrence, je vise le point jaune, donc c'est plutôt pratique, on a la carte quand on se balade avec le missile. Donc je me dirige simplement vers le point jaune. Sauf qu'on va pas exploser pile poil le point jaune parce qu'en fait il y a un petit décalage. Le point jaune c'est le point d'activation de la mission. Sauf que nous on veut pas exploser le point d'activation de la mission mais l'hélicoptère. Donc là en l'occurrence pour moi, vu où est placé mon sous-marin, il faut que j'attaque l'hélicoptère qui sera à droite du point jaune. Pour vous il sera peut-être à gauche ou en face, ça dépend comment vous avez placé votre sous-marin. Mais là, si on voit, je vais me déplacer sur le toit du bâtiment et le point jaune se trouve un petit peu à gauche. Donc voilà, je vise l'hélicoptère, j'explose l'hélicoptère. Il me marque comme quoi la mission a été annulée, enfin, a été un échec à cause de l'hélicoptère qui a explosé. Et j'ai juste à me retrouver devant le panneau de planification. Et là, je reprends la mission. Et on voit simplement en bas qu'on me demande de rejoindre le centre et non plus le QG de Meriwether. Voilà. Donc plutôt facile d'annuler la mission. Merci à vous, bon game. Allez, salut.